vole juste au-dessus de la rivière Aveyron, qui commence à sinuer lentement et qui va d'ailleurs fortement structurer le paysage des gorges. Axel Letellier est un enfant du pays. Aujourd'hui, il remonte la rivière Aveyron en direction d'un site spectaculaire auquel il consacre sa vie. Au loin, ça y est, on devine complètement les gorges avec des pitons rocheux qui dominent d'une centaine de mètres environ le lit de la rivière. La rivière a lentement creusé ses causes calcaires. Et au détour d'un méandre, apparaît un édifice majestueux. On est en train de découvrir ce château de Peine qui me tient tant à cœur, qui est vraiment posé sur son piton rocheux. Le château de Peine, c'est mon enfance. J'ai eu la chance de découvrir le château de Peine un été. J'ai fait un pique-nique en haut du château et je suis tombé red dingue amoureux du site. J'avais 11 ans, 12 ans, j'ai demandé à mes parents s'il était possible d'acheter un château. Tout le monde m'a pris pour un fou. Je me suis permis de faire ma première proposition d'achat à 14 ans. Autant dire que le propriétaire de l'époque a eu du mal à me croire sérieux. Et j'y suis revenu un peu plus tard pour le convaincre de me le céder. Axel a réalisé son rêve. Il a acheté le château de Peine il y a 10 ans. Depuis, il restaure ce chef-d'œuvre de l'architecture médiévale. On se rend très bien compte, vu du ciel, qu'il y a une sorte de presqu'île de rochers qui avance vers l'Aveyron et qui permet complètement de contrôler cette partie de la région. On a l'impression que le château est petit alors qu'une façade fait 25 mètres de hauteur. De sa passion est née une vocation. Axel est devenu architecte. Dans quelques jours, des travaux de grande envergure commenceront dans sa forteresse. Mais aujourd'hui, il veut observer les châteaux et les villages perchés typiques de la région. On était quand même dans des zones particulièrement difficiles à vivre, où le brigandage était très important et on a naturellement eu envie de développer ces villages perchés afin de se protéger. En poursuivant le long de l'Aveyron, il s'approche d'un site spectaculaire, Bruniquel. Il y a trois châteaux qui sont posés littéralement sur le piton rocheux. On commence à se demander comment l'homme est arrivé à venir poser des bâtiments aussi impressionnants. On est quasiment au-dessus du vide. On arrive par la partie du château 17e et 19e où nous découvrons une galerie de plaisance qui est ce château qui est posé à flanc de rocher. Ben, c'est pas mal quand même. On a vraiment l'impression qu'on va pouvoir toucher du bout du doigt ces demeures. Je suis un homme heureux. L'avion quitte les gorges de l'Aveyron. La forêt est magnifique, là. On est vraiment en train de survoler ce que l'on appelle la forêt de Grésigne, qui est une forêt domaniale, une forêt de 6000 hectares. Et juste en face de nous, sur un oppidum, perdu au milieu de sa plaine, une ville assez exceptionnelle. Corde sur ciel.
Le village de Cordes est une des perles du Midi toulousain. Le commerce y a été très florissant et on a la chance d'y découvrir de multiples maisons, de multiples villas exceptionnelles, romanes, gothiques, toutes plus belles les unes que les autres. On a un développement au XIIIe siècle, en 50 ans, de création de nouvelles villes qui deviennent très 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 riches. Bien entendu, quand on est riche, on le fait toujours savoir et donc on crée des bâtiments à la hauteur de notre richesse. Cordes-sur-Ciel est une bastide. Elle a été fondée par les comtes de Toulouse au XIIIe siècle pour repeupler la région et relancer l'économie. Les deux hommes atteignent un vignoble qui s'est développé dès l'Antiquité et qui a fait la richesse du Midi toulousain au Moyen Âge. On est dans le pays de Gaillac, en plein cœur du vignoble. On est vraiment sur des contreforts magnifiques. On est en train de découvrir, toujours vu du ciel, une bastide, la bastide de Castello de Montmiral, qui est une bastide qui est très structurée, qui a peu évolué en fait depuis le Moyen Âge. On est sur des bastides pour le coup où il y a quelques centaines d'habitants, au pire un millier. L'idée n'est pas de développer de façon outrancière ces villages, mais plutôt de venir contrôler le paysage agricole environnant afin de pouvoir apporter de nombreuses richesses aux seigneurs qui contrôlent cette région. Axel quitte le pays des bastides et le vignoble gaillacois. Il rejoint plus à l'ouest le département du Tarn-et-Garonne. Il se dirige vers Moissac. L'avion survole maintenant le Tarn. On est en train d'arriver sur Moissac. C'est exceptionnel de voir vu du ciel ce cloître de Moissac, puisque c'est un cloître, un des plus importants du sud de la France. Il a une dimension qui est déjà très importante et il date du tout début du XIIe siècle. Et la sculpture, justement, est à cheval entre le roman et le gothique. Il faut savoir que les colonnes sont romanes et qu'ils sont venus reconstruire par-dessus leurs ogives gothiques en briques, puisqu'on est totalement dans le Midi toulousain. Ce joyau a bien failli être détruit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le cloître et juste derrière, il y a la voie ferrée. Au XIXe siècle, le tracé originel du chemin de fer était prévu pour passer en plein milieu du cloître. Les villageois, les habitants du Tarn-et-Garonne se sont battus pour faire protéger le cloître et faire déplacer en fait le cheminement de la voie ferrée. Ce cloître est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Quelques kilomètres plus loin, Axel termine son vol au-dessus de la Garonne pour atteindre l'un des plus beaux villages de France, Auvillard. Il possède dans son cœur un édifice unique dans le Midi toulousain. On devine justement cette halle qui est assez surprenante. La halle centrale, qui est une halle circulaire à deux niveaux, halle reconstruite au XIXe siècle et qui était spécialisée dans le blé. Les halles sont habituellement toujours rectangulaires ou carrées, alors que celle-ci est disposée en fait sur une place qui est triangulaire et sa forme circulaire au milieu est du coup fortement mise en avant. Et la vue du ciel est franchement exceptionnelle, parce que c'est la seule que je connaisse en tant qu'architecte du patrimoine. On ne connaît pas tout, mais j'ai vraiment plaisir à découvrir vue du ciel ce village.
Quelques jours plus tard, retour au château de Peine, la forteresse d'Axel Le Tellier. Ce matin, il n'a pas une minute à perdre. Ok, je me mets en place, même zone, zone 3. Pendant 5 heures, 150 tonnes de matériaux vont être héliportées. Aujourd'hui, avec son équipe, il s'attaque à un chantier particulièrement délicat. C'est un peu exceptionnel, c'est la première fois qu'on prend du béton avec l'hélicoptère, avec une toupie spéciale qui est affrétée. Et il faut une organisation assez pointue parce que le béton, ça n'attend pas. Il faut que l'hélico n'arrive pas trop vite. Et donc, c'est toute une organisation avec la globalité des ouvriers, des entrepreneurs qui sont sur place. Ah non, faut pas se louper, on n'a pas le droit à une deuxième chance parce qu'on va pas casser pour redémonter, c'est pas possible. L'hélicoptère revient toutes les 2 minutes. Rien que pour acheminer le béton, une cinquantaine de rotations est nécessaire. Axel restaure un élément essentiel du château, la citerne, située au sommet du donjon. On ne comprenait pas comment il fonctionnait pour arriver à survivre. Et en fait, on a une citerne à eau qui récupérait les eaux de pluie, mais par ce trou d'ailleurs, une sorte de gaine intérieure. Et depuis le toit, les eaux rentrent dans la citerne et on a environ 40 mètres cubes d'eau qui permet de supporter un siège, on va dire, et surtout de pouvoir vivre tous les jours. 2 heures plus tard, la citerne est terminée. L'héliportage se poursuit sur une autre partie du château. Il y a combien de matériaux encore à livrer ici? Là, il y a un big bag. D'accord. 11 palettes de pierre et le paquet de perches. Je vous en promets, Philippe. C'est un peu comme un rêve de gamin, au final. J'ai toujours pensé au château fort quand j'étais petit. Et en fait, là, c'est au-delà du rêve. Pour comprendre comment le château a été bâti, Axel reconstruit ce mur selon les techniques du Moyen-Âge, en utilisant un échafaudage en bois. L'hélicoptère et l'échafaudage de façon 13e siècle, c'est assez intéressant à voir en temps. Les chevaliers du Moyen-Âge, ils étaient plus forts que nous. Il faut s'imaginer justement au XIIIe siècle, en train de construire un château comme ça, avec des tours de 25 mètres de haut, avec des bouts d'échafaudage en bois, des mules et une poignée d'hommes. C'est plus simple aujourd'hui. Après plus de 150 rotations, l'hélicoptère quitte le chantier. Il y a 10 ans, les derniers murs menaçaient de s'effondrer. Axel a fait des travaux d'urgence, à commencer par l'une des parties les plus en danger, l'assommoir. La moitié de la voûte avait disparu, un mur complètement avait été arraché par pillage, comme c'est la tradition dans un château. On a pu reconsolider et reconstituer cette voûte. On est heureux de l'avoir fait, parce que sinon aujourd'hui, on est sûr que ça se serait effondré. Je trouve cet endroit extraordinaire, parce que c'est un système très simple, mais qui empêche les gens de rentrer dans une forteresse. À savoir, vous avez une porte défensive, vous frappez, vous ne plaisez pas trop à ceux qui habitent à l'intérieur du château, vous avez une herse qui descend tranquillement, et on se retrouve confiné dans un espace qui fait 2 mètres par 3, et depuis les parties hautes, en fait, on a un petit trou qui permet de vous jeter des pierres et, depuis le premier étage, de tirer à arbalète. Et ce qui vous amène à avoir une durée de vie de quelques secondes. Mais vraiment, le principe essentiel d'une forteresse comme celle de Peine, c'est de faire en sorte que jamais vous puissiez rentrer si jamais vous n'êtes pas le bienvenu. L'idée n'est pas d'en faire le château de la Belle au bois dormant, c'est plutôt de faire une belle ruine qui accompagne un futur savoir et une éducation vis-à-vis des jeunes, mais pas de reconstruire. Axel nous conduit sur le dernier chantier en cours, tout au bout de la forteresse. À côté du donjon, se dressait la chapelle, le dernier refuge en cas d'attaque. Il lui a fallu 3 ans pour dégager ce mur. La terre arrivait à ce niveau-là et recouvrait la globalité de la chapelle. Pour arriver à comprendre un édifice comme celui-ci, où il ne reste pas beaucoup d'élévation, il faut arriver à fermer les yeux. Et si vous fermez les yeux, vous avez toujours
le sentiment et le souvenir, parce que tout le monde rentre dans un édifice religieux, de dire je rentre par une petite porte romane, dans un espace qui est bien entendu un peu sombre, parce qu'on est au 11e ou 12e siècle. Un espace voûté, assez massif, des chapiteaux romans. Et après, au fond, dans l'axe, il y a une petite fenêtre à l'est, avec le soleil du matin qui arrive. Et ça y est, vous avez tout compris. Si j'avais un passionné qui, dans quelques années, me disait « Non, mais moi, j'ai une vision extraordinaire pour le site », ça ne me gênerait pas de lui transmettre, parce que l'idée, ce n'est pas de rester accroché à son château toute sa vie. Non, ce n'est pas du tout l'idée. Depuis qu'il restaure sa forteresse, Axel mène l'enquête pour comprendre l'histoire des villages de la région au Moyen-Âge. À l'époque médiévale, ils étaient très riches grâce à la proximité justement du moyen de transport essentiel de cette époque, à savoir la rivière. On redescendait jusqu'à la Garonne et de la Garonne, on pouvait aller jusqu'à Bordeaux. Ce qui fait qu'on était ici au centre d'un développement entre le nord de l'Europe et les pays du sud de l'Europe comme l'Espagne ou l'Italie. On se dirige vers le village de Bioul, qui est un tout petit village avec un château magnifique du XIIe siècle et qui a les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, c'est une école et il y a des pépites architecturales à l'intérieur. L'architecte nous emmène maintenant dans la salle d'honneur du château, qui appartenait à un seigneur proche du roi de France. On peut découvrir tout un décor qui permet d'impressionner la personne qui venait visiter à l'époque, puisqu'on a un dessin de fausse tapisserie avec ses bandes alternées rouge, jaune et noir, ainsi que d'ailleurs un feuillage qui permet de faire également un fond. Sur les murs, des fresques représentent des personnages historiques en tenue de chevalier. Ici, de façon un peu surprenante, Jules César est représenté de façon très similaire au seigneur local qui est le seigneur de Cardaillac, qui était barbu. Et sur la croupe du cheval, on retrouve l'aigle bicéphale qui est justement l'emblème des seigneurs. Cette fresque ici, dans cette salle, dans cette école, c'est un trésor caché parce qu'elle est totalement inattendue en fait. De découvrir un espace avec 9 preux chevaliers, c'est un plaisir immense. Plus loin, Axel reprend la route en direction de l'un des villages les plus riches de la vallée. Cet Antonin, en fait, est un concentré de bâtiments médiévaux de très grande qualité, du 12e au 15e siècle, et ça permet de décrire l'histoire de l'architecture française en Midi-Toulousain en visitant une seule ville. Cette cité s'est développée dès le 8e siècle autour d'une abbaye. Elle devient un grand centre économique au Moyen-Âge. À chaque coin de rue, on arrive à découvrir une partie de l'architecture romane, de l'architecture gothique, enfin vraiment des choses de qualité. Au centre de cette place se dresse l'un des plus anciens bâtiments civils de France, la Maison des Consuls. C'est la mairie de l'époque. En la regardant de près, on se rend compte qu'elle a des chapiteaux finement sculptés du début du XIIe siècle avec des animaux fantastiques, des petites têtes. Ces chapiteaux sont des chefs-d'œuvre de l'art roman. Celui-ci représente Adam et Ève. On a aussi l'empereur Justinien qui explique qu'on était là pour rendre la justice dans ce bâtiment. C'est quelque chose d'intéressant de retrouver ça 800 ans plus tard. Axel se dirige vers la maison du roi, appelée ainsi en l'honneur de Louis IX. On arrive à lire à travers sa façade les magasins en rez-de-chaussée avec les grandes baies à arcades. Le premier étage, toute une suite de baies géminées,
ce qui est assez exceptionnel d'en conserver encore des exemples de la sorte. Et au dernier étage, un niveau qui était en partie habitation, en partie galandage pour pouvoir profiter de l'air. Et sur un pied droit, une petite tête sculptée de femme, ce qui est très intéressant, puisque avoir des éléments comme ça d'origine du XIIIe siècle montre un peu la qualité que l'on pouvait avoir dans un village comme Saint-Antonin. Il faut amener toutes les écoles d'architecture ici. Plus au sud, dans le Lauragais, une femme se passionne pour une plante qui a fait la fortune du Midi toulousain. On est sur les premières collines qui descendent vers la Méditerranée, dans un paysage qui moi, me fait penser à la Toscane, qui est un paysage très doux. Et alors, il faut imaginer qu'ici, au Moyen-Âge, tout était recouvert de pastels. Les champs de pastels à perte de vue, entre Toulouse, Albi et Carcassonne, couverts de champs de pastels. Carole Garcia travaillait dans l'industrie pharmaceutique. Il y a 15 ans, elle a tout quitté pour créer une gamme de produits cosmétiques avec les graines de cette plante. Pendant des siècles, le pastel a permis de produire une richesse, une teinture bleue, exportée dans toute l'Europe. La culture du pastel dans le Midi toulousain, elle avait disparu entre le XVIIe siècle et le XXe siècle. Et puis, elle renaît depuis 20 ans, 25 ans. Et on va voir Jean-Marie, qui est l'un des rares agriculteurs à cultiver encore le pastel. Alors, comment va ton champ ? Il va bien. La pluie a oui, un peu abîmé ton champ. On a eu une grosse pluie hier soir. Elle a couché un peu le pastel, mais ça, c'est pas méchant. Et les premières siliques, déjà, sont bien, bien formées. Je les vois, là, regarde. Ouais, elles sont belles, très belles. Très belles. Les siliques, c'est l'enveloppe qui protège la graine et qui va lui laisser le temps de mûrir pendant les 2 mois qui viennent. Chaque silique contient une graine, et voilà, avec un tout petit peu d'huile. Et puis, c'est une graine qui est très riche en acides gras essentiels et qui nous permet de développer des soins cosmétiques. Et cette graine, c'est notre trésor et c'est une part du patrimoine français. Le pastel se plaît beaucoup dans le Midi toulousain parce qu'on a des printemps pluvieux, la preuve, hein, ce champ encore mouillé, mais aussi du soleil, de la chaleur et des sols argilo-calcaires qui se prêtent à la culture du pastel. Voilà, mauvaises herbes. Il reste encore une part de mystère sur cette culture du pastel. Elle n'a pas été façonnée par l'homme, elle n'a pas été triée comme aujourd'hui la plupart des graines. Elle reste telle qu'on a pu la connaître au XVe siècle. Ce matin, Carole a rendez-vous chez un agriculteur, ingénieur de formation, qui a joué un rôle déterminant dans son aventure. Maurice Villa est producteur d'huile de noix. C'est lui qui a trouvé la solution pour transformer les graines de pastel en huile. Alors Maurice, ce décortiquage. Eh bien ça avance, regarde, je trouve de l'or sous la paille. Voilà notre graine. Bon, elles sont belles, il faut encore trier, hein. Oui, mais bon, ça passe à la presse, ça va aller très bien. Son aventure m'intéresse et le lien entre ce monde de la cosmétique, qui est un monde totalement étranger au monde rural et au monde agricole, et ma vie, entre autres, d'agriculteur, cette rencontre-là m'intéresse au plus haut point, bien sûr, parce que ce sont deux cultures complètement différentes, avec des vocabulaires, des modes de pensée différents, etc. Donc ça, c'est intéressant. On a beaucoup de mal à trouver la façon de décortiquer, de sortir la graine de la silique. Et là, on arrive à trouver notre graine magique, la graine de pastel. Et c'est ce qui est génial avec Maurice, c'est qu'il a ce sens du pragmatisme pour réussir à faire ce que les grands laboratoires spécialisés dans les huiles n'arrivent pas à nous faire. Eh bien, on est prêt à être pressé. Donc, contrairement aux apparences, ceci contient de l'huile. Eh oui. L'huile de pastel qui est issue des graines, elle n'est pas connue. On est les seuls à l'utiliser dans le monde. Et malgré nos 15 ans de recul sur la graine, on a encore 1000 choses à apprendre.
Au bout de quelques minutes, l'huile de pastel s'écoule. Cette couleur, elle est incroyable. On retrouve la fleur de pastel dans ce jaune. Une fois pressée, Maurice la filtre. Elle a une belle viscosité, hein ? Ah oui, c'est l'huile la plus épaisse que j'ai jamais pressée. Elle est très riche en acides gras essentiels, en oméga, et c'est ce qui en fait toute sa particularité. C'est une huile extrêmement riche et unique. On est ici chez Maurice, et il faut imaginer que cette huile, elle est vendue à New York, à Hong Kong ou à Séoul. C'est incroyable. Je ressens une grande douceur sur la peau. La peau est lissée. Elle sent toujours le foin, l'herbe coupée, le végétal. On est encore dans le champ. Après 15 ans d'activité, Carole distribue ses produits sur Internet et en boutique. Un succès, malgré une concurrence extrêmement rude. Dans une industrie cosmétique qui est dominée par des grands groupes, c'est compliqué de faire vivre une gamme de produits avec un engagement fort sur une filière agricole et industrielle locale. C'est un vrai combat. Et à la fois, c'est une passion qui fait que se lever tous les matins pour faire ça, ben, c'est un grand bonheur, c'est une grande fierté aussi. À Toulouse, un historien s'intéresse à l'empreinte laissée par les riches marchands de pastel au XVIe siècle. Il se bat pour sauvegarder les hôtels particuliers qu'ils ont construits à la Renaissance. Il nous emmène dans un lieu insolite, l'un des grands lycées de la ville. C'est un lieu où il est toujours très émouvant pour moi de revenir, puisque c'était mon collège, puis mon lycée, et cette cour magnifique ouvrait sur la conciergerie où l'on était obligé de passer, notamment lorsqu'on était en retard. Cette cour, c'est la cour d'honneur d'un des plus beaux hôtels particuliers de la Renaissance française. On voit très bien ici la structure en arc de triomphe, avec les voûtes caissonnées, et puis ces colonnes candélabres, très fines, très élégantes. Une surabondance également de petits éléments sculptés qui partout rappellent les manières d'Italie que l'on se plaît à développer dans la Renaissance française à cette époque-là. Mais ce joyau de la Renaissance est en danger. Les hôtels particuliers sont trop souvent des lieux fermés, comme ici. Et surtout, on n'est pas là pour constater les dégradations qu'ils subissent. À l'heure actuelle, on est encore capable de reconstituer ce qui a pu exister, mais encore quelques années, on ne saura même plus ce qui était là. Là, on va perdre totalement le décor. Pascal Julien pénètre dans la cour où le marchand stockait le pastel. À l'intérieur, se dresse une tour d'orgueil. C'est la première fois que j'ai la chance de monter ici. Je n'aurais jamais imaginé, lorsque je jouais dans la cour qui est juste en dessous là, qu'un jour je monterais tout en haut de la tour de notre collège. L'intérêt ici, c'est de voir une vue spectaculaire sur Toulouse, sur la ville, sur ces édifices religieux, au premier rang desquels, bien sûr, là, le couvent des Jacobins, avec les grandes églises des Jacobins. Son clocher octogone, qui est du type du clocher de Saint-Sernin que l'on voit là-bas. Un hôtel comme celui-ci, il y en a des dizaines. Nombre de ces hôtels sont en danger, tout simplement par manque d'entretien, et puis parce qu'on ne les connaît pas. Donc ils ne sont pas accessibles, et dans l'indifférence générale, tout peut arriver. Pascal nous emmène dans l'une des rues les plus commerçantes de la ville. Il faut imaginer, à l'époque de la Renaissance, des boutiques avec de grandes arcades, comme on voit là, de grandes arcades derrière lesquelles était stocké notamment le pastel des grands marchands toulousains. Derrière cette porte se cache un autre trésor en péril.
on voit très bien que les sculptures sont en train de se déliter, les briques elles-mêmes se déchaussent. Et moi, ça me fait extrêmement mal au cœur de voir un hôtel de cette importance, qui a une telle qualité dans l'histoire de l'architecture de la Renaissance, dans un tel état d'abandon. Quelques rues plus loin, Pascal veut nous montrer un somptueux hôtel dont la façade vient d'être restaurée. Pourtant, une partie est toujours en danger. Vous le voyez avec le porche ici, on laisse les voitures s'arrêter au feu rouge juste devant, avec les gaz d'échappement qui viennent se concentrer ici sous le portique. Et chaque année, eh bien, on ramasse les morceaux de sculpture qui tombent. Rien n'est fait et la pierre coule. Vous pouvez en voir l'exemple là, terrifiant. Cet édifice possède de magnifiques sculptures. Elles sont un témoignage remarquable de la Renaissance toulousaine. On a deux personnages qui vont de part et d'autre de la fenêtre, qui sont humains pour toute leur partie supérieure, pour leur buste, alors que le bas du corps est totalement animal. Ce sont des sortes de satyres. C'est le type de décor que l'on retrouve dans la grande galerie, la Galerie du Roi à Fontainebleau, avec cette idée de montrer l'homme qui est sous la contrainte du monde, qui va s'exprimer notamment, si vous voyez, par ces personnages qui essayent de s'extraire en quelque sorte d'éléments qui les enserrent. Et on retrouve cette même idée avec des figures dites en Atlante, comme Atlas supportait le monde. De telles statues évoquent l'idée d'un homme qui est pris dans le poids d'un monde qu'il ne comprend pas à la Renaissance et qu'il doit tout de même supporter. Il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant, voire amusant, c'est le fait de vouloir souligner que l'homme ne répond pas simplement à son esprit, mais peut répondre aussi à ses pulsions. Aussi, on va représenter sur de très nombreuses œuvres de ce type, à la Renaissance, des têtes au niveau de l'entrejambe. Pour les hommes, on voit ces masques grimaçants, ou pour les femmes, ces têtes d'enfants, entre donc fécondité et passion sexuelle. Un peu plus loin, Pascal Julien pénètre maintenant dans l'hôtel de l'un des marchands pasteliers les plus fortunés, l'hôtel d'Assesa. C'est l'un des plus beaux hôtels particuliers de l'époque Renaissance en Europe. Nous sommes dans la cour d'honneur de cet hôtel particulier où se développent de manière grandiose, vous voyez, deux bâtiments qui se rejoignent sur angle. Et la façade, c'est une façade classique qui, à cette époque, dans les années 1550, reprend la façade du Louvre. Cet hôtel possède une tour exceptionnelle qui se termine par un petit clocheton et un lanternon. La tour représente la puissance, la force, la richesse. Il y a là une véritable compétition sociale à l'intérieur de la ville, à celui qui aura la tour la plus forte, la tour la plus haute. Ici, face à nous, on voit dépasser plusieurs autres tours qui, chacune, marquent la présence de d'autres hôtels particuliers. Ce qui est assez amusant, c'est une particularité de ces tours, c'est que les tourelles d'escalier, vous voyez, comme celle-ci, sont surmontées d'une pointe qui est déformée par la force du vent, le vent d'Otan, finit par compresser au bout de quelques siècles les architectures et les formes de briques deviennent tordues sous la force de ce vent d'Otan. Il y a énormément de dangers qui guettent ce patrimoine. Il faut ouvrir les yeux aux gens, leur montrer quelle est la richesse de leur propre ville, parce qu'à partir du moment où les gens prennent en compte cette richesse, tout peut changer. Sur l'autre rive de la Garonne, un joyau du patrimoine a échappé de peu à la ruine. Édifié au milieu du 19e siècle, ce château a été abandonné pendant des décennies. Squatté, dévasté, il était complètement délabré quand en 2013, des particuliers ont décidé de le restaurer. Ce palais a été construit par l'un des plus célèbres maîtres verriers français du 19e siècle, Louis-Victor Gesta,
Ce matin, Rémi Desalbres, architecte du patrimoine, vient vérifier les derniers travaux. Sur la façade, les décors sont presque tous restaurés. Ce sculpteur achève une dernière frise. Michel, vous en êtes où ? Je finis les nervures. Peut-être reprendre encore un petit peu ici, mais sinon, le rendu est bon. Hein. Nous sommes sur les parties hautes du château des Verrières, dans la pure tradition française, hein, des toitures extrêmement élancées. Notamment ici, vous voyez cette poivrière qui est couverte de tuiles de métal avec cet élégant rebord et cet ourlet. Vous avez aussi ce très beau travail de sculpture sur pierre avec les initiales de Louis-Victor Gesta, son portrait. Ce château me fascine totalement. Il était dans un état finalement tellement dégradé qu'on en avait les tripes retournées. C'est exceptionnel, finalement, dans la vie d'un architecte, de pouvoir travailler sur un tel édifice, une telle renaissance. Attention. L'idée, c'est que les Toulousains puissent le redécouvrir tel qu'ils l'ont connu au XIXe siècle. On va remettre peut-être la vergette et les attaches. Voilà, la vergette, là. Donc là, on l'a ajustée pour qu'elle vienne après se sceller dans le mur. Bon, bah, c'est très bien. Et on va tourner les attaches autour, voilà. Entendu. Donc vous finissez la pose aujourd'hui, c'est bon ? Oui, voilà. Ce vitrail était totalement éventré. Il était très, très dégradé. Hein. Il y avait des casses, il y avait des manques. Et là, on voit bien les réparations avec ce travail de raccord au cuivre. Donc ça, c'est un très beau travail. On revient de très loin. Hein. C'est un bel exemple du vitrail de Gesta. On voit la Vierge portée par les anges avec ses très beaux drapés tout à fait exceptionnels qui donnent cette profondeur et cette luminosité. Au XIXe siècle, le maître verrier présente dans son palais ses plus belles créations. Il expose son savoir-faire et en fait la vitrine de son art. Ce matin, une dizaine de restaurateurs sont à l'œuvre. Cette fresque réalisée par un grand peintre toulousain au XIXe siècle avait disparu sous un badigeon. Des décors entiers sont à nouveau sculptés. Dans cette pièce, appelée la Galerie des Illustres, la dernière toile est reposée. La toile affixée au plafond, Monsieur de Pibrac. Entendu. Merci. Christophe, vous l'attrapez ? Je l'ai. Voilà. Vous l'avez positionné déjà ? Oui, c'est bon. Vous allez m'aider à le tenir. Donc je mette les vis. Alors, attention. Sur ce plafond, les grands artistes toulousains du XVIe et du XVIIe siècle sont représentés. Ces toiles sont intégrées dans un décor à caissons avec ce jeu de trompe-l'œil tout à fait exceptionnel et qui permet aux visiteurs qui se trouvent à 6 mètres en dessous d'admirer un ensemble éclatant. Louis-Victor Gesta est un artiste. Et il veut ici, finalement, magnifier, faire l'éloge de la culture, de l'art toulousain et de la région méridionale. Et c'est beaucoup, beaucoup d'émotion, parce que nous avons connu, il y a encore quelques mois, ces toiles totalement sombres, couvertes de suie et de saleté. Et là, elles viennent d'être restaurées en atelier, et on les redécouvre pour la première fois après près de 100 ans d'oubli. Donc c'est véritablement exceptionnel. À une cinquantaine de kilomètres de là, en Ariège. Ce couple relance une activité quasiment disparue dans le midi toulousain. Olivia est tisserande. Paul, son compagnon, élève ses brebis en plein air. Ce matin, le couple vient inspecter son troupeau. On a des brebis tarasconnaises ? Des brebis de pays, des brebis du territoire ariégeois qui sont avant tout élevées pour leur viande. Mais là, on a engagé dans une démarche de valorisation des laines du territoire ariégeois. Doucement, Yogi. Doucement avec les brebis. Doucement. Ils vérifient les toisons de leurs brebis à quelques heures de la tonte.
Regarde, celle-là, elle est jolie. Ouais. Elle est jolie. Alors là, on a une brebis qui est bien lainée. Regarde, mais attends. Il y a quand même une laine bien blanche. Ah bon ? Donc là, on est face à une mèche qui est suffisamment solide pour être transformée et pour faire un fil solide et de qualité. L'idée, c'est de vraiment redonner ce titre de noblesse à la laine et de la revaloriser, puisqu'aujourd'hui, elle est exportée à très bas prix sur le marché international. Donc l'idée, c'est vraiment de la considérer en tant que ressource et que production agricole pour la valoriser sur le territoire. Allez, Abel. La laine n'est plus exploitée depuis des décennies dans le Midi toulousain. Paul et Olivia veulent lancer une nouvelle collection de vêtements et d'accessoires avec de la laine de brebis élevée en Ariège. Viens ici, là. Allez. Paul n'a que quelques heures pour tondre ses 900 bêtes. Et c'est la course contre la montre. C'est sûr que c'est un moment de stress. On joue une symphonie. Non, faut que ça glisse, quoi. Faut que ça soit fluide, faut que le chantier se déroule correctement, quoi. Allez, Ipso, viens là, viens. Allez. Commencez à présenter des brebis. Comme ça, c'est eux qui donnent le la. Pour tondre leur troupeau, ils ont fait appel à une trentaine de personnes. Des attrapeurs saisissent les bêtes pour qu'elles soient prêtes à temps. Elles passent ensuite entre les mains des tondeurs. Puis les toisons sont triées par l'équipe que dirige Olivia. Voilà, donc là tu vas pouvoir l'attraper comme tout à l'heure en commençant bien par mettre les mains sur les zigots, voilà. Hop, impeccable. Et là, donc elle est tournée en une seule pièce, donc elle est plus facile à ramasser. Attention. Il faut aller vite parce qu'on est très nombreux sur le chantier. Il y a les tondeurs qui tournent de brebis après brebis et qui ont besoin de pouvoir enchaîner. Donc il faut pouvoir attraper la toison dans le bon sens et techniquement que ce soit correct et débarrasser le plancher au sens propre pour que lui puisse enchaîner ses brebis, ne pas gêner les attrapeurs et ne pas gêner la circulation des bêtes. Allez, viens, ma belle, viens. Voilà. Les brebis sont tondues en moins de 2 minutes. Voilà. La rapidité, c'est pour la contention. Attention. La brebis, elle est tout le temps en mouvement. Donc, elle n'a pas le temps de se débattre. Oh là 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 là. Voilà. On peut comparer ça à quelqu'un qui se rase, en fait. C'est une machine qui chauffe et qui vibre. Mais comme ça va très vite, c'est pas du tout traumatisant pour l'animal. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que c'est en 1000 morceaux. C'est jarreux aussi. Ouais. Alors pour trier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever tout ce qui n'est pas de la laine, à savoir les corps étrangers. Donc ça va être en fonction des troupeaux, hein, la peinture quand il y en a, les parties crottées et les parties contaminées par les végétaux. Et après, on va enlever les parties qui sont moins saines, moins jolies, à savoir jaunes ou cassantes ou feutrées. Vas-y, tadam. Super. Donc là, concrètement, on a une toison qui est assez jolie. On va enlever la partie avec les peintures. On va bien enlever les bords. Mais là, je pense que ça était bien fait. Ouais, c'est bon. L'enjeu, c'est de se dire que sur une toison qui n'est pas forcément de bonne qualité partout, on va prendre le temps de la trier pour récupérer les parties qui peuvent être valorisées. Mais l'arrivée soudaine de la pluie complique le travail et risque d'altérer la qualité de la laine. Si elle persiste, Paul va devoir interrompre la tonte. Le tonte des brebis mouillées, ça se fait pas trop. On va être trempé, nos pantalons ils seront trempés, les tondeurs ils vont être trempés. Mais ensuite, au niveau de la conservation de la laine également, c'est pas le meilleur état mouillé, quoi. Ça nous est jamais arrivé de tondre sous la pluie. Allez les filles! Paul et Olivia doivent absolument trouver une astuce pour préserver la laine. Allez, allez, allez! Alors, là,
m'a dit qu'il fallait bien les serrer à fond pour qu'elles sèchent. Que si vraiment tu les serrais à fond, elles allaient sécher. Ah ouais, elles vont s'essorer, l'une contre l'autre, c'est ça ? Elles vont quoi ? Elles vont s'essorer l'une contre l'autre. Oui, c'est ça. Et ça marche. La récolte de la laine reprend. Elle est énorme, celle-là. Pour Olivia, c'est le soulagement. Ah, elle est très belle. Celle-ci, on se régale. Ça fait plaisir, vraiment. On va pouvoir avoir une jolie récolte sur le lot, quoi. La laine, elle a une valeur. Récoltée dans de bonnes conditions, on peut en faire de bons produits. Et puis, on peut avoir une filière textile sur le territoire. Et on n'est pas obligé de faire venir de la laine de Chine. Et c'est vrai que recréer des filières textiles locales, je pense que c'est positif, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on le fait. Paul et Olivia ont recherché dans la région les derniers ateliers qui filaient et tricotaient la laine. C'est clair qu'elle mérite d'être tendue, celle-ci. Non mais attends, et puis celle-là, elle n'a pas été tendue depuis quelques années. Elle n'a pas été tendue, celle-là, c'est sûr. C'est une honte. Ils se sont lancés il y a un an. Même si les débuts sont prometteurs, rien n'est gagné. Parfois, il y a des doutes parce que c'est beaucoup de travail. Et donc, on se demande s'il faut continuer, on se demande si on fait les bons choix. Ouais, des fois, on a envie de tout arrêter, mais ça passe assez vite, généralement. Après, le nerf de la guerre, c'est quand même... c'est comme même aujourd'hui, pouvoir payer les salaires des personnes qui travaillent avec nous et puis se payer accessoirement nous-mêmes. Donc, c'est pas facile, mais en même temps, il y a une énergie qui se dégage de ce projet. Et... Ça va. Ah, on y croit, ouais. On a l'impression de grandir un peu avec ce projet, quoi. C'est dans le Tarn, près de Castres, qu'ils transforment leur laine. C'est un atelier de tricotage particulier parce qu'il existe encore. En Midi-Pyrénées, en tout cas, il y a vraiment l'héritage de bassins textiles qui sont plus du tout aussi dynamiques qu'avant, mais il reste encore des entreprises. On leur apporte nos fils et on crée avec eux les modèles de façon à ce qu'ils nous fassent le tricot. Donc voilà la laine du troupeau. Parfait! Allez, on attaque alors. Martine Joly est une ancienne éleveuse. Elle gère cet atelier de tricotage depuis 25 ans. Et voilà, c'est parti. Donc maintenant, 25 minutes et le pull va sortir complètement fini. Ça ne demande pas beaucoup de main-d'œuvre. Donc ce qui nous permet effectivement d'être concurrentiel par rapport à des Chinois qui ont la main-d'œuvre très bon marché. Tu as les différents guides de fil. Donc tu vois, tu en as un, tu en as deux, tu en as trois qui travaillent. C'est les trois fils qui sont là-bas. En réalité, c'est comme le tricot même, mais sauf que c'est fait à la machine. Ah, envoyer notre laine à l'autre bout du monde pour recevoir ensuite un pull transformé, être totalement déconnecté de la production, c'est quelque chose qui perd tout son sens, quoi. Le devant et le derrière et le dos qui sont tricotés en même temps et la manche, elle est entière. Ah, c'est superbe. Ah oui, ça donne un côté complètement magique, oui. On a l'impression qu'il y a un mouton de l'autre côté et qu'il y a le pull qui sort. On va retrouver moins de fibres, quand même. Moins de végétaux, oui. Oui. Alors, on voit qu'il reste quelques petits végétaux dans le tricot, là. Tu vois ? Là, tu vois, on voit encore qu'il y a un petit peu de paille. Donc, ça va donner un aspect... certes naturel, mais un peu sale, et qui va faire que ça pique ou que ça gratte, quoi. C'est là qu'on voit si on a bien travaillé ou si l'équipe avec Olivia ont bien trié ou pas, quoi. Bon, après, c'est ce qui fait aussi l'authenticité du produit, on va dire. Ce qui me plaît, c'est la manière dont ils le font, avec enthousiasme et avec un grand professionnalisme. 35 ans après, c'est le chemin que j'ai fait, puisque j'étais aussi éleveuse de chèvres mohair. Si j'ai pu faire ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main. Et donc, je suis heureuse de pouvoir leur tendre la main. Cette machine permet de finaliser le col. Ouais. Celle-là, elle fait le V et l'autre, elle fait l'arrondi, la boucle. À voilà. En fait, c'est extrêmement précis, quoi. Oui, il y a des mesures. Et il ne faut pas... faut mettre, c'est précis. C'est génial. Oui. Bon, après, quand on fait ça toute la journée...
petit, c'est bien. C'est bien, très bien, ouais. Il faut avoir de la patience. C'est intéressant de voir un peu l'énergie qu'il faut mettre pour la production d'un pull, quoi. Alors, ça y est. Voilà le pull fini. On va vérifier. Contrôle qualité. Pas de défaut devant. Pas de défaut dans le dos. Et sur les manches, c'est parfait. Même pas de paille. Incroyable. Bon, comment tu la trouves, Paul ? Magnifique. Le pull ou moi ? Les deux. Je crois qu'avec un pull comme ça, on a réussi le pari, en fait. C'est beau, c'est élégant. Aussi joli que tes brebis. C'est très confortable. Et c'est confortable. Le couple vend ses produits sur les marchés, dans cette caravane. Là, regarde ça, les montagnes, c'est magnifique. Ça y est, ça s'est levé, on arrive à les voir. Les collines, en arrière-plan, les Pyrénées, on a de la chance. Aujourd'hui, ils se rendent à Mirepoix, l'un des plus importants marchés de la région. Il est 7 heures du matin. Les commerçants sont presque tous installés au pied des maisons à colombages. Les premiers clients sont déjà là. Paul et Olivia arrivent seulement, mais une mauvaise surprise les attend. Vas-y, vas-y, vas-y! Leur place habituelle est prise et ils doivent jouer des coudes pour s'installer. Ah, il y a des camions partout. C'est possible de déplacer le camion qu'on puisse manœuvrer? Oui, mais on est déballé. Ah, bah vous avez déjà de la chance d'être installé, hein? Quand il y a plein de monde comme ce matin, bah c'est compliqué parce qu'on n'a pas la place de manœuvrer, tout simplement. On va s'en sortir? Là, c'est vrai que le marché, c'est un peu la foire d'empoigne, mais c'est des codes qu'il faut qu'on apprenne. Et arriver peut-être un peu plus tôt, on a encore des choses à apprendre hein, par rapport à ça. Regarde derrière ce que t'as. Ils finissent par positionner leur caravane à la main. Oui, on est large, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Le couple a acheté sa caravane grâce à un financement participatif. Plus qu'un simple stand, c'est une véritable petite boutique qui leur permet d'accueillir des clients toute l'année. Il leur faut une bonne heure pour tout mettre en place. Le dernier pull qu'on a sorti, c'est celui-ci. Vous l'avez en trois couleurs, là. Il y a le gris qui est une couleur plutôt froide. Après, vous l'avez en grège, elle est un petit peu plus rustique, vous voyez. Et vous l'avez en blanc, pour la version plus élégante. Ça sent trop bon. Ah ouais. Ouais. C'est émouvant. Enfin, il y a quelque chose de super émouvant dans la laine. Peut-être c'est une réminiscence des doudous, j'en sais rien. Peut-être. Ouais, il y a quelque chose d'affectif, clairement. C'est en fait un projet de valorisation des laines locales. Ah ouais. Donc là, de Mirepoix. D'Ariège. Ah carrément. D'Ariège. Et donc, on peut arriver à faire des produits de qualité avec de la laine tarasconnaise, avec une laine qui soit issue de notre territoire. Ah mais moi, je dis que c'est super, ouais. Mais des jeunes comme ça qui relancent, c'est pas évident déjà parce que c'est très dur. Hein. Ouais, faut se lancer. C'est un boulot de fou, hein. Ça, c'est pas du made in China. Made in Ariège. Super bien. Quand on trouve autour de nous des gens qui réagissent positivement à ce genre de projet, bah oui, ça nous donne de l'énergie, quoi. En fait, ça donne du sens, quoi. C'est super encourageant, et c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est ce qui fait qu'on s'accroche aussi et qu'on se dit que voilà, il y a quand même des gens qui sont sensibles à ces démarches-là, que la pure laine et que la laine locale, on peut en faire quelque chose de précieux, en fait, et qu'il y a un potentiel énorme. Nous quittons Mirepoix pour atteindre la partie ouest de l'Ariège, le Couseran. C'est un territoire situé au cœur des Pyrénées, entre vallées, collines et au sommet.
l'impression qu'il y a des paysages absolument superbes. C'est vraiment un bel endroit pour qui aime les montagnes. Pauline a quitté Toulouse il y a 7 ans. Et depuis, elle parcourt ses routes pour défendre le patrimoine de ce territoire. Ici, on arrive dans un de mes coins préférés, une église qui est un véritable petit trésor. C'est vraiment un des plus beaux endroits du Couseron. En haut de ces quelques marches, apparaît un plafond exceptionnel. Il date du début du XVIIe siècle. On est enveloppé par la couleur, on est enveloppé par ces lumières très chaudes, ces rouges qui sont encore très vives. On retrouve à la fois des motifs végétaux assez classiques et puis on découvre surtout de très beaux visages d'angelots, des visages très travaillés avec des joues bien rouges, les petites ailes, les cheveux bouclés, des effets d'ombre. La présence de ces anges qui est vraiment apaisante. On peut passer des heures à les observer, chaque visage est différent. C'est vraiment l'œuvre d'un artiste. On a toute la vivacité du XVIIe, du XVIIIe siècle qui s'exprime ici et je trouve que c'est vraiment une église très chaleureuse et très exceptionnelle à ce titre. Ce plafond a servi de modèle à de nombreuses églises de la région. Pauline Chaboussou quitte la vallée pour rejoindre le hameau de Cominac, situé à 800 mètres d'altitude. C'est un village superbe qui a conservé encore des granges à pas d'oiseaux, qui sont ces granges vraiment typiques, avec les pignons surmontés de marches. Ces granges étaient couvertes en chaume, et les pas d'oiseaux constituaient une sorte de petits escaliers qui permettaient d'aller changer le chaume assez régulièrement, assez facilement. C'est un patrimoine modeste, un patrimoine de l'intime, un patrimoine paysan qui peut s'effondrer faute d'attention. Il y a vraiment un défi à relever pour le maintenir en bon état. Justement ici, on arrive à un coin où il reste encore les plus jolies granges qui ont conservé pour l'une d'entre elles le toit de chaume. C'est encore assez exceptionnel à notre époque. Pauline change de vallée pour atteindre le village d'Audressein. Son église a conservé une architecture typique de la région, avec un clocher mur. Et comme à chaque mariage, c'est le même rituel. Et monsieur, vous êtes au complet ? Presque. Presque au complet. Je suis en train de préparer la cloche. C'est-à-dire ? C'est-à-dire on la décroche. Ah, il y a une sécurité ? Oui, il y a une sécurité, oui, parce que si on laisse comme ça, la nuit, s'il y a le vent ou n'importe, elle va taper, quoi. D'accord. Bernard et l'association du village vont faire battre les cloches à la volée tournante, c'est-à-dire les faire complètement tourner sur elles-mêmes. Et ça donne un très beau son, très joyeux, très festif, une sorte de babam, 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 comme un cœur qui bat. Et voilà, c'est une forme de célébration. C'est un petit peu l'âme du village qui va résonner aujourd'hui. Cette cloche pèse une tonne. Ah, c'est dangereux. C'est assez dangereux, il faut faire attention. Chaque fois qu'elle tourne, il faut se reculer. Thomas, si vous emporte, quoi. Les tourneurs entrent en action dès que les mariés sortent de l'église. Peut-être pas compte, mais quand une cloche s'arrête, c'est un peu du village qui meurt. Donc là, la célébrer, la faire tourner et la faire résonner, oui, c'est comme un éclat de rire du village.
Pauline poursuit sa route en direction de la capitale du Couserans, Saint-Giron. Cette petite ville s'anime tous les samedis matins grâce à son marché, l'un des plus célèbres des Pyrénées. C'est la convergence de tous les produits des vallées du Couserans. Ça attire beaucoup de monde. Et c'est la rencontre entre plusieurs univers, à la fois des paysans, des producteurs de souches qui sont installés depuis des générations, mais également tout un mouvement d'agriculture biologique avec des néo-ruraux qui se sont installés ici dans les années 70, dans la mouvance hippie. Et puis même des nouveaux arrivants. Il s'installe toujours des gens en Couserans aujourd'hui à la recherche d'une vie plus saine, plus verte. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre une croustade. Qu'est-ce qu'il y a comme parfum aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste? Alors, il me reste pomme, poire, pruneau, mélange pomme, poire ou myrtille. J'ai plus de framboise, elles sont parties. D'accord. Bon, une poire. C'est un gâteau feuilleté, vous voyez, avec une pâte très fine qui est étalée longuement jusqu'à presque la transparence de la pâte. Et c'est un gâteau qui était confectionné dans les familles autrefois pour les fêtes de village. Alors celle-ci est très fraîche, elle a été cuite ce matin à 6h, mais normalement on l'a préparée un petit peu à l'avance, quelques jours à l'avance, et il paraît que ça embaumait la maison et que tous les enfants étaient alléchés et se préparaient à la fête avec l'odeur de la croustade dans la maison. Donc c'est un gâteau qui est très bon, pas trop sucré. C'est très très bon. Elle nous emmène maintenant dans un lieu insolite. C'est un endroit emblématique de Saint-Giron. C'est un lieu qui a été particulièrement bien préservé. C'est un café du 18e siècle. On va rentrer. Ce café est aujourd'hui une librairie. Il a conservé son décor de la fin du Second Empire. On a des angelots au plafond et puis sur les toiles peintes, on a des scènes galantes, des femmes nues, allongées, qu'on devine encore, accompagnées d'angelots. Ça devait vraiment être une atmosphère, oui, à la fois élégante et joyeuse, pétillante quelque part. Ça prouve que Saint-Giron, au 19e siècle, accueillait sans doute une population bourgeoise assez importante. Alors le fait que ce lieu ait subsisté depuis 1870, ça c'est vraiment exceptionnel. En descendant le long de la rivière, le Salat, Pauline se dirige vers la cité épiscopale de Saint-Lizier. Ici, on se trouve dans la partie médiévale de Saint-Lizier, dans ce qu'on appelle les carrés, c'est-à-dire des petites rues qui ont été bien conservées, bien préservées, avec encore leur pavage. Et ce sont des rues entourées de jardins clos qui débordent de fleurs. Il y a une atmosphère très particulière, encore des petits coins assez secrets, assez préservés. Ça nous permet de nous diriger vers un des plus beaux sites du Couserans, le Palais des Évêques. Dominant la cité, ce palais abrite un trésor, une cathédrale pleine de surprises. Avec ses peintures, elle est surnommée la chapelle Sixtine de l'Ariège. Ici, on a un ensemble des décors peints du début de la Renaissance, tout début du XVIe siècle, qui est extrêmement bien conservé, qui a été mis au jour récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, lors d'une campagne de restauration, qui était recouvert d'un badigeon qui l'a protégé. Et on se trouve avec aujourd'hui ces peintures d'une incroyable luminosité. C'est somptueux, ça donne vraiment une impression de richesse, de splendeur. Sur les voûtes, les personnages féminins sont des sibylles, les prophétesses de l'Antiquité. Alors il a une sibylle qui est facile à identifier. C'est la Sibylle de Cumes. On voit son nom écrit à côté de son visage, Sibylla Cumana. Et elle tient un attribut aussi très, très visible, une grande fleur dans la main gauche.
Celle-ci, c'est une des sibylles les plus intéressantes, puisqu'elle est de trois quarts d'eau. On a un habit qui est très particulier, avec un corsage. Et puis ce petit chapeau rond, doupant, une passementerie et des glands. C'est révélateur des vêtements que l'on peut retrouver au début du XVIe siècle, que les femmes de certains niveaux sociaux pouvaient porter à cette époque. Ici, c'est un des trésors cachés de la cathédrale. C'est un témoignage de la cathédrale romane qui date de l'époque de sa construction, du XIIe siècle, et qui a été préservée derrière le décor et les stalles du XVIIIe siècle. On distingue trois lions avec la gueule béante. On voit très bien les dents effilées des animaux. Et sur le côté, l'homme tient une longue corde qu'il passe au cou d'un des lions et donc il dompte l'animal, il dompte la sauvagerie et le bien triomphe du mal. C'est émouvant effectivement d'ouvrir les stalles du 18e et de tomber sur ce témoignage de la première cathédrale. Dissimulée derrière les boiseries, une autre fresque encore plus étonnante. Elle date du 14e siècle. Lorsque les stalles ont été démontées pour être restaurées, en grattant, on a découvert cette partie creusée, ornée et peinte dans le mur de la cathédrale. Et c'est un décor vraiment incroyable. C'est le seul que l'on connaisse de ce type en Ariège. On trouve encore des traces de feuilles d'or qui brillent sur la mitre, sur la crosse, et même l'anneau de l'évêque qui resplendit à la main dont il bénit. C'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir pu retrouver ça dans l'édifice. Ça fait partie des petits trésors de cet endroit. Pauline nous emmène au sommet de la cathédrale pour découvrir un panorama à couper le souffle. Ici, on a une vue magnifique sur la chaîne des Pyrénées et c'est particulièrement beau aujourd'hui avec ces effets de brume. Là-bas, au fond, on découvre les montagnes d'Oulus. Et puis derrière le massif de Souroc, on voit le Mont Valier. Le Mont Valier, c'est le seigneur du Couseran. C'est la montagne emblématique pour les Couseranais et c'est aussi celle que voient les Toulousains quand ils regardent les Pyrénées. Ils n'étaient pas trop mal, les évêques. Ils avaient bien choisi leur emplacement pour construire le palais. C'est une vue dont je ne me lasse pas. Retour dans les environs de Toulouse, sur l'aérodrome de Castelsarrasin. Chacun au bout, là. Allez, on pousse. Ces pilotes se préparent pour un vol en hommage aux pionniers de l'aviation. OK, c'est bon. C'est un monument historique. Voilà, c'est l'avion mythique. C'est l'avion du Petit Prince. Cet avion est la réplique du Breguet 14. Luc Gimazan et son association ont mis 11 ans pour le fabriquer. Cet avion, pour moi, il a une connotation affective parce que mon père, qui était pilote, volait là-dessus en 1927. C'est extraordinaire de se dire qu'on est là à côté de l'avion qu'ont piloté les premiers pilotes dès 1919, qui sont partis en prenant des risques énormes. Il y a eu 121 morts. C'est leur sacrifice qu'aujourd'hui, on se balade à travers le monde dans des avions qui volent à 800 km à l'heure, en toute sécurité et sans aucun risque. On y va. Donc, c'est Siratango, décollage 28 Herbe. Le Breguet 14 a été fabriqué dans les usines de Pierre-Georges Latécoër. Pendant la Première Guerre mondiale, cet industriel toulousain transforme sa fabrique de wagons et construit des avions de guerre. Mais en 1918, l'armistice met fin à sa production.
Il décide alors de désarmer ses avions et de les utiliser pour transporter du courrier. C'est le début de l'aéropostale. C'était complètement fou. D'ailleurs, personne n'avait eu l'idée, pareille. Il y avait eu des tentatives de création de lignes sur Paris-Londres. Le découvert, c'était Toulouse-Santiago du Chili, 13 000 km. Totalement incompatible avec les performances de l'avion de l'époque. Tout le monde lui disait, mais ça ne marchera pas, c'est impossible. Vous aurez des mauvais temps, vous ne pourrez pas voler. Alors il a répondu, on écrit tous les jours, on transportera le courrier tous les jours et on volera tous les jours. Ce que je suis en train de voir, c'est exactement ce que voyaient les pilotes de l'aéropostale. Nous longeons le canal du Midi, et le canal du Midi, c'est le repère que suivaient les pilotes de l'époque. Dans le Bréhier 14, à la place où je suis, il y avait effectivement le courrier. Donc on entassait les sacs de courrier à même le sol, dans le poste de passagers, derrière le pilote. C'est exactement dans les conditions de cette époque-là. Les pilotes de l'aéropostale, comme Antoine de Saint-Exupéry ou Jean Mermoz, ont risqué leur vie pour porter le courrier au bout du monde. En partant de Toulouse, ils traversaient une dizaine de pays sur 3 continents. Ils affrontaient le désert, bravaient la cordillère des Andes à plus de 6000 mètres d'altitude, en volant souvent de nuit. La visibilité est médiocre, le plafond n'est pas très haut. Conditions parfaitement adaptées à ce que vivaient les pilotes de l'époque. Il fallait qu'ils volent par tous les temps, même par très mauvais temps, et ça c'est dangereux aussi. Il ne va pas falloir trop s'incliner pour ne pas perdre le contrôle. C'est un avion qui est un peu délicat à piloter. Mauvaise surprise pour nos deux pilotes. En plein vol, un instrument tombe en panne. Ah, j'ai un souci, je ne sais pas où on est. Qu'est-ce qu'il y a ? Et j'ai le conservateur qui est HS et j'ai pas de compas. Ah merde. Tu sais pas où on est ? Je me repère mais j'ai du mal. Reviens vers la Garonne. Et ouais, mais j'ai pas de compas, j'ai rien. Dans le brouillard là, tu t'en sors pas. Ah ouais, ouais, bien sûr. On est comme des glands là. Ouais, descends un peu parce qu'on va se foutre, on va se mettre dedans. Le soleil est là, ça va. Ouais. Oh mais c'est bon, on va choper la Garonne, on peut pas la rater. Hein. Ah voilà, ça y est, je suis recalé. Bon, parfait. Quelques jours plus tard, d'autres passionnés survolent le fleuve à bord d'avions de collection. Regarde, sur la droite, là, elle arrive, la Garonne. On va l'allonger. La Garonne, elle est assez emblématique de Toulouse, donc de chez nous. Et elle est assez complexe, assez multiple. Que ce soit très urbain en Toulouse ou beaucoup plus sauvage et qu'on se rapproche du Piémont vers lequel on est en train de se diriger. Un petit peu torturé, cet endroit-là, très verte. Jérémy Cossade a créé une association pour faire revivre de vieux avions. Je suis dans un avion d'origine 1940, comme les deux autres avions qui nous accompagnent. Le Midi-Pyrénées et Toulouse, c'est un peu un berceau de l'aéronautique. L'idée, c'est de perpétuer le vol de ces avions-là. Contrairement aux avions modernes, il n'y a pas beaucoup d'assistance au pilotage. Donc c'est un peu comme une mobylette, ça se pilote très simplement, c'est très efficace encore, mais ça procure beaucoup de plaisir à piloter. Les trois appareils s'entraînent à voler en formation. 50 mètres, 30 mètres pour le nord et 50 mètres pour le cup. Descends un peu. Approchez-vous un peu plus de nous. Légèrement plus à droite, Franck. Ouais. Tu peux rester à 1000 pieds, tu peux descendre un petit peu si tu veux. Très bien, tout le monde. Tu vas très très bien, reste comme ça, bouge pas. Voler en patrouille avec ces vieux avions est une véritable prouesse.
C'est un exercice très exigeant, il y a des règles qu'il faut respecter. Moyennant de respecter ces règles, c'est beaucoup de plaisir, c'est très impressionnant, les avions sont assez proches les uns des autres. Ça permet ben, ensemble de découvrir des lieux sympas. Jérémy organise plusieurs fois par mois des randonnées aériennes au départ de Toulouse. Ce jour-là, les avions partent en direction des Pyrénées. Le territoire est vaste et donc c'est déjà de la découverte. Et à certains endroits, c'est des lieux assez magnifiques où on a plaisir à revenir. Bientôt apparaît un monument remarquable, situé non loin de la Garonne. Et le château de Saint-Élix. Au XVIIe siècle, il fut la propriété du marquis de Montespan, le mari malheureux d'une favorite du roi Soleil. Les pilotes atteignent le Comminges, une région vallonnée qui a pour horizon les sommets des Pyrénées. Au détour d'une vallée, ils aperçoivent l'une des perles de la région. Je pense qu'on l'a juste en face, le château de Valmiran. Valmiran, qui est un château néo-renaissance, qui ressemble beaucoup au château de Chambord et qui a surtout la particularité d'avoir une vue à tomber sur les Pyrénées. Le château de Valmiran a été édifié à la fin du 19e siècle par un riche banquier. Un peu plus loin, les avions s'approchent d'un autre site exceptionnel, la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Située sur un piton rocheux, c'est un joyau de l'architecture gothique en midi toulousain. On commence à avoir du relief avec des collines très vertes qui entourent d'ailleurs Saint-Bertrand de Comminges. On va passer un nuage, mais il est petit. Encore un petit bout, voilà, c'est bon. On commence à deviner la neige, à deviner les cimes les plus hautes des Pyrénées, comme la Netto, la Maladetta. C'est vraiment le point d'entrée vers les Pyrénées. Dans un jour comme aujourd'hui qui est très calme, on a la possibilité de pouvoir rentrer dans les montagnes, d'aller se balader un peu de vallée en vallée. Et ça, c'est un petit peu unique. Ça permet de se ressourcer un petit peu et entre amis, c'est encore mieux. Nous quittons les Pyrénées pour rejoindre un village situé au sud de Toulouse, le Fousseret. Il accueille un dimanche par mois l'un des marchés les plus vivants du midi toulousain. Bon après, on va faire des glaces originales, donc ne partez pas de suite. Hein. Okay. On va faire des glaces au fromage, des glaces au vin. Wow. Okay. À la salade, pas encore, mais ça viendra. Philippe Faure est artisan glacier. Pour fabriquer ses parfums, il commence par faire le marché. Vous me donnez du régalis, s'il vous plaît. Chez les meilleurs artisans de la région, comme Dominique Bouchet. Allez. Okay, tu vois, regarde. Bon, c'est le bleu que je t'avais déjà présenté. Mais oui, oui. C'est sur une base de fromage au lait de brebis. On part sur la même techno que le Roquefort, sauf que là, tu es sur un lait qui a été cuit. C'est pas friable comme fromage. Non, mais ça, c'est pas un souci. Ça, on va le faire fondre. C'est la première fois que Philippe va faire une glace avec du bleu. La glace, ça va être intéressant parce que justement, on a le côté lacté et le côté goûteux.
et sans avoir trop de sel. Bon, je te mets un demi. Allez, on va faire ça avec un demi. On te va comme ça. Allez, nickel. L'idée, c'est de faire des glaces déjà qui sortent de l'ordinaire, qui sortent aussi du dessert, avec des produits tout à fait exceptionnels, entièrement naturels, où il n'y a pas de colorant, pas d'extrait, pas d'arôme artificiel, et sortir un peu des sentiers battus, quoi. Il y a 4 ans, Philippe a créé ce marché dans son village. 6 florettes, gariguettes et clairies. Quand c'est que tu les as ramassées, là ? Là, date de vendredi matin. Ramassées vendredi matin. À 20h ? Ouais. Avec uniquement des producteurs locaux. Ouais, ça va être chouette. L'idée, c'était de redonner vie à cette halle qui est très jolie, redynamiser aussi un village qui était un peu endormi, de retisser un lien entre les producteurs et la population, que les gens puissent acheter des produits qui sont fabriqués et produits à proximité de chez nous. Voilà, messieurs, dames, 12 euros. On va essayer de faire un petit sorbet au vin. Oui. Donc, est-ce que tu vas me faire goûter ? On va partir sur un rosé. Un rosé, petit, extra. Un petit sorbet vin rosé, quelque chose de fruité, sympa, d'accord, un peu goulillant. Très bien. Là, on est sur le petit vin du coin. C'est un rosé qui est assez léger. Ouais, il passe bien. Ah, c'est un peu une drôle d'idée, mais je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est intéressant parce qu'en plus, en sorbet, on va avoir le froid qui nous contracte les goûts et qui nous les affine. Donc, on va avoir des notes en sorbet que l'on n'a pas dans le vin. Je viens de faire le marché. Et maintenant, je vais faire les glaces. Parce que c'est ça, le but du jeu. Ben oui. Philippe fabrique ses glaces en public, sans savoir ce que ça va donner. Il crée l'animation sur le marché. Je vais faire une glace avec 52% de fromage. Là, on va tiédir un peu. On va juste tiédir. Il fait fondre le fromage dans un sirop, mais n'ajoute ni crème ni lait. L'idée, c'est de vraiment garder les saveurs originelles du fromage, mais de ne pas trop chauffer, parce que dès qu'on chauffe au-delà de 70-80 degrés, on élimine beaucoup de goût et on recuit le fromage. Voilà, c'est parti. Après une dizaine de minutes dans la turbine, il obtient une glace légèrement bleutée. Il a préparé ses cornets au sésame pour la dégustation. Voilà, alors ça, ce sont des parfums d'accompagnement. Ce n'est pas des parfums que l'on déguste, comme quand on mange une glace à la vanille ou à la fraise. Ça, c'est des parfums qui accompagnent les plats. Et voilà. C'est très, très allez. Bon. Oh, bah, écoutez, volontiers, merci. En plus, c'est l'heure de l'apéritif, c'est parfait. C'est parfait. Allez. La nature humaine a toujours un peu peur de la nouveauté. Une partie de notre métier aussi, c'est d'éduquer les gens sur le bien manger, sur le retour aux vraies valeurs. Et sur le fait aussi de leur donner un peu cette envie de déguster les choses autrement. C'est vraiment... c'est très, très bon, ouais. On ne mangera plus de glace, à part des glaces au fromage, maintenant. Ouais. Ah. Ça, c'est une glace au fromage que fait monsieur. Au fromage de brebis, un peu comme... Elle est faite avec du bleu. Comme un roquefort, allez-y, allez-y. Alors, c'est vrai que d'habitude, les bleus, les roqueforts, on les garde bien au froid. Mais là, lui qui le monte en glace... Je ne savais pas ce que ça allait donner, mais je retrouve le fromage et puis je trouve qu'il n'est pas dénaturé. Donc pour moi, c'est une réussite. Vous aimez le fromage ? C'est vraiment bon. Oui. Excellent. Philippe réalise maintenant un sorbet au vin rosé. Ce glacier hors pair innove depuis 20 ans avec d'incroyables saveurs. Si l'essai est concluant, ce sorbet fera partie de ses nouveautés pour l'été prochain. Un sorbet au vin de la Vlanée de Comminges, fait à 3 km. C'est surprenant. On a l'impression de boire un vin glacé avec des glaçons. Ben, ça a un goût de vin rosé frais. On dirait du granité de vin rosé. Si, c'est excellent. Okay, c'est l'apéro, ça dit. C'est au tour de Bertrand, le producteur de rosé, de déguster. C'est impressionnant. Vous prenez un rosé qui est servi trop froid, il va être un petit peu cassé, on aura une aromatique qui va être perdue. Alors que là, sur la glace, eh bien, c'est très, très expressif. Vraiment, je suis agréablement surpris. Moi, l'idée, c'est vraiment de disparaître derrière la matière première. C'est-à-dire que moi, je ne veux vraiment pas la dénaturer. Je veux juste le transformer, la matière première, en glace, en gardant vraiment tout le côté naturel du produit. Allez, go!
Oula, c'est le rush là. Le marché touche à sa fin, mais la journée de Philippe est loin d'être terminée. L'un des secrets de la qualité des glaces de Philippe, c'est le lait. Ouais. Allez! Moi, je suis un glacier paysan, donc ma place, c'est d'aller voir les producteurs, de m'impliquer avec ces gens-là pour avoir des produits de super qualité. La grande majorité des glaces sont fabriquées avec de l'eau, hein, de l'eau, du lait en poudre, donc des produits, on va dire, des pseudo-produits artificiels. Et nous, on est là pour faire des glaces dans les règles de l'art. Allez, c'est parti. Le plus dur est fait, oui. Ouais. On reste la traite. Christine et Thomas, son fils, vont traire une soixantaine de bêtes. Elles produisent du lait biologique. Avec mon grand-père, je partais chercher le lait. J'avais à Saint-Giron, on allait chercher le lait à la ferme. Hein. Ah oui. Avec les bidons. Et là, ça compte le litrage de lait. Oui. Autour de 18 litres, 20 litres par 20 jour. 20 litres par jour. Hein. Ouais. Ouais, à mais peu après, près. Ça n'a rien à voir par rapport au litrage de lait que font les usines à lait avec des vaches qui font quoi, 40 oui. litres par jour. Ça n'a rien à voir. Ben oui, c'est ça toujours. Ça n'a rien à voir. Ouais. Là, on est sur le lait de qualité. Allez. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ne vivent pas de leur métier parce que le lait est payé une misère. Aujourd'hui, on est aux alentours de 40 centimes le litre, donc c'est un prix qui ne permet pas aux gens de vivre. Donc moi, je suis là, on m'a payé le lait certainement entre 60 et 80 centimes, donc quasiment le double, pour soutenir ces producteurs, donner un avenir, puisque Thomas, il a quand même 23 ans, donc il va reprendre l'exploitation. Donc c'est donner un avenir à ces gens-là. Allez. Nous, producteurs, artisans, restaurateurs, des bouchers, tous les acteurs des métiers de bouche doivent s'investir pour travailler en circuit court, valoriser ces produits pour que ces gens vivent de leur métier. Alors que de nombreux artisans glaciers ont disparu, Philippe a choisi de se battre pour atteindre l'excellence. Car son amour de la glace remonte à l'enfance. La passion, elle vient très tôt, puisqu'elle vient de l'année de ma naissance, où mon père a créé un atelier de glace dans sa brasserie à Saint-Giron, en 1969. Et donc, à partir de là, j'ai baigné de suite cette culture de la glace, cette culture du bon produit. Et au fil des années, c'est une activité qui est devenue ma passion. Pour créer de nouveaux parfums, Philippe sillonne le Midi toulousain à la recherche de saveurs originales. Ce matin, il vient voir Marion, une maraîchère, qui cultive ses plantes de façon innovante. C'est fou, les nuances de vert, quoi. Oui, il y a plein de verts différents, c'est là que tu t'en rends compte. C'est la première fois qu'un glacier vient me voir dans la serre. Attention, hop. Et là, regarde les premières tomates. Elles sont adorables. Je pense que c'est pour bientôt. Ça va être rouge avec des rayures jaunes. Sublime. Ça, c'est mes bébés. Le matin, j'arrive, j'ouvre les portes de la serre et là, je vois tous mes enfants qui sont là. C'est fantastique, c'est une vie extraordinaire. Je sais exactement à quel moment ils grandissent, à quel moment ils vont être mûrs. S'ils sont en bonne santé, bah, moi, forcément, ça me rend heureuse et ça veut dire que j'ai réussi mon travail. Donc, ouais. Non, c'est mes petits-enfants, je les chouchoute. Je peux te faire goûter la tagette. Mmh. C'est joli. Moi, j'adore l'orange, c'est une de mes couleurs favorites. Il est parfait. Donc là, tu manges aussi bien la tige que les feuilles. Même les feuilles, les fleurs, les pétales, tout est comestible. C'est assez fort. Okay. Ça a plus un parfum agrume, donc un peu citrique. Ça peut être, retrouve des petites touches de pamplemousse, d'orange, de mandarine. Ça peut fonctionner aussi bien en décoration qu'en assaisonnement, quoi. Complètement. Ouais. J'imagine ça sur une coupe glacée. C'est magnifique, ouais.
Dans cette serre, des fleurs, des plantes poussent à profusion grâce à une nouvelle méthode. L'hydroponie. Marion, les élèves, s'enterre. Dans cette petite gouttière blanche qu'on appelle une chambre de culture, il y a de l'eau avec tous les nutriments qui sont à disposition de la plante. Elle est comme dans un petit spa. Ses racines, elles flottent joyeusement. Elles n'ont plus qu'à grandir, se développer et puis nous régaler les yeux et les papilles. Attention, racines de tomates. Donc là, ça, c'est une tomate qui pousse effectivement dans l'eau. Et donc, on voit que sa racine, elle est vraiment toute petite par rapport à la taille de la plante. C'est parce que comme elle a tout à disposition, en fait, elle n'a pas du tout besoin de dépenser d'énergie dans les racines pour aller chercher les nutriments à droite, à gauche. Tout est là. Donc, en fait, toute l'énergie, elle va vraiment la mettre dans son feuillage, dans ses fleurs, dans ses fruits. Et c'est planté dans la terre, c'est des racines de combien ? On dit que les racines, généralement, est de la taille de la plante. Ah oui, c'est à peu près ça dans la nature. Les racines sont équivalentes à la plante. Ah, ben, c'est gentil de m'aimer. Ah, mais j'aime bien, c'est relaxant, c'est... Marion Sarlet a changé de vie il y a 5 ans. C'est une reconversion professionnelle totale. Parce qu'on est passé du bureau, de la voiture de fonction, du téléphone et tout, à travailler au milieu des plantes et quel bonheur. Quel bonheur, aucun regret. Hein. Non, c'est, on ne veut plus en partir hein, du Gers, on est trop bien ici. Elle veut faire découvrir à Philippe une variété de basilic qui pourrait l'inspirer. Mon chouchou, c'est le basilic citron. Rien qu'en étant au-dessus et en passant la main, ça, c'est extraordinaire. Et en entrant dans la serre, je peux savoir si quelqu'un est en train de la récolter. Et parce que quand on coupe, en plus, ça libère vraiment les arômes. C'est... Enfin bon, tu me diras, je te laisse. Ah, c'est très étonnant. Ce qui est très étonnant, c'est d'avoir ce mariage d'un agrume et d'une plante végétale sur une seule feuille. Quoi. On a vraiment l'impression qu'on a râpé un petit peu de zeste de citron, qu'on l'a fait mariner dans de la citronnelle et qu'on l'a servi sur une petite feuille de basilic. Donc c'est vraiment un produit que j'ai très très envie de travailler très rapidement. C'est une découverte magnifique. Bon, il faut qu'on réussisse le sorbet et qu'on en vende, quoi. Voilà, exactement. Bon, c'est ça le défi. Non, mais c'est un joli pari, ça. Philippe Faure rejoint le restaurant de Franck Renimel, un chef étoilé. Il veut tester le sorbet au basilic citron dans un dessert gastronomique. Il prépare son mix en mélangeant les feuilles de l'aromate à un sirop de sucre. Voilà, moi pour moi on est bien. On mixe pas trop non plus. J'ai travaillé chez un grand chef qui faisait ses glaces avec une turbineuse comme ça. Je dis une glace à la verveine. Je me rappelle encore de passer le doigt sous la turbineuse et manger la glace comme ça. J'avais 15 ans ça me donne encore des frissons. 15 minutes plus tard, c'est l'heure de vérité. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à être vraiment sur la force du basilic, sur un citron plus marqué, et ce n'est pas le cas. On est sur quelque chose de très bien équilibré, bien dosé. Très délicat. On a un petit effet de sucre qui va disparaître avec le froid. Et on a une texture aussi qui est intéressante, de presque de mousse glacée. On n'est pas dans très le... Léger, très léger. Très léger. Donc je mets un petit biscuit d'acquoise, petite d'acquoise amande, noisette. Je vais amener un petit peu de mâche. Dessus, oui. On va venir mettre une petite quenelle de basilic citron. Le chef joue sur les textures avec ce yaourt qu'il dépose sur la glace. Ça va amener un côté léger, en plus de ce yaourt qui est au siphon, ça va amener quelque chose d'assez léger, aérien, et ça va être intéressant. Moi, je suis glacier, moi, j'arrive à faire des produits, mais c'est clair qu'il faut le metteur en scène, qui va s'approprier ses produits et qui va imaginer un plat, qui va les mettre en scène. On fait vraiment de la glace en fonction de l'utilisation du chef. J'ai préparé un petit spaghetti à la violette. La violette est une spécialité de Toulouse. Et après, le peps, on l'apporte avec la violette qui arrive en fin de bouche. Donc, c'est un peu un jeu de goût à tiroir. Donc, c'est assez intéressant. Puis, c'est bon, c'est très frais.
Non, c'est un bon mariage. Bon mariage. Le basilic qui ressort de suite en bouche. Hein. Un dessert rafraîchissant et un dessert surprenant. On a vraiment les saveurs du basilic citron qui ressortent et qui sont assez prononcées. Donc on découvre, c'est vrai que c'est la découverte des produits, des producteurs, des essais qui nous font progresser, qui nous permet d'avancer, de continuer notre histoire. Notre voyage se poursuit plus au nord. Dans l'un des méandres du Tarn, se dresse la ville de Montauban. Le cœur de cette bastide recèle l'une des plus belles places de France, la place nationale. Cette place, elle déroute les personnes qui la voient pour la première fois. Bon, elle est très belle, mais surtout, elle perd les gens. Regardez autour de vous, les quatre façades se ressemblent avec ses grandes arcades, ses pilastres, ses fenêtres, la brique. Il faut prendre le temps de connaître les détails qui animent chacune des façades, repérer peut-être les lambrequins au-dessus des fenêtres, les balcons en fer forgé. Le cadran solaire qui est là et qui nous indique où est le nord, ça aussi, ça peut être un bon repère. Il faut le prendre le temps de découvrir. Passionné d'histoire, Antoine Ripert connaît tous les secrets de la place. Elle est bordée de deux rangées d'arcades que l'on appelle des couverts. Le couvert où nous sommes ici, c'est une rue publique. Dans le prolongement des rues extérieures qui mènent à la place, il y en a 8 en tout, ce qui montre l'importance de la destination. Et puis, la deuxième rangée de couverts, le couvert extérieur, qui est ici, n'est pas dévolu à la circulation, mais au commerce. C'est finalement une galerie commerciale ou un passage couvert avant l'heure. Et ça explique qu'il n'y ait jamais eu de halle au milieu de la place, comme dans beaucoup d'autres places de France. Pour découvrir la ville de façon privilégiée, Antoine nous emmène au sommet de l'église Saint-Jacques. C'est la plus ancienne de Montauban. C'est à chaque fois un bonheur de pouvoir monter ici. La montée n'est pas facile, mais vraiment, ensuite, la récompense est belle. On a une vue imprenable sur la place nationale et on voit surtout la situation de cette place au cœur du tissu médiéval qu'on repère très facilement par la densité du bâti. Il n'y a pas d'espace vide, quelques cours intérieurs, c'est tout. C'est vraiment ce qui distingue le centre historique de Montauban. L'autre côté du clocher donne sur le Tarn. Ce panorama permet de mieux comprendre une page de l'histoire protestante de Montauban. Au XVIe siècle, les protestants transforment l'église en position fortifiée. Le clocher devient une tour de guet pour protéger, repérer l'avancée de l'ennemi. Toulouse, la catholique, est en face, de l'autre côté du Tarn, sur la rive gauche. Et puis, dans cette direction, au-dessus du chœur, on retire la toiture pour pouvoir ménager une plateforme où on disposera des canons qui vont pouvoir, bien évidemment, protéger l'entrée de la ville, l'entrée du Pont Vieux. Quand les protestants capitulent, en 1629, Richelieu détruit les fortifications de la ville. Pour imposer la religion catholique, il fait édifier cette cathédrale monumentale. Le geste est violent ici. Hein, pour construire la cathédrale en pleine ville, il va falloir raser deux îlots de maisons pour l'installer au point culminant de la ville, 102 mètres de haut. La symbolique est forte hein, et montre bien le retour en force du clergé catholique dans la ville rebelle protestante. Antoine nous emmène sur la rive gauche du Tarn.
chassés de la ville par les catholiques, les protestants s'exilent dans ce quartier. De riches familles protestantes ont investi leur énergie, leur richesse dans la construction de vastes hôtels particuliers qu'on appelle des hôtels industrie, puisque tous les rez-de-chaussée le long du quai sont en fait des ateliers de drapiers, des ateliers de teinturiers pour confectionner des draps de laine qui vont faire la fortune de Montauban au XVIIe et au XVIIIe siècle. Nous sommes dans un lieu exceptionnel qui témoigne vraiment de la réussite des drapiers montalbanais au XVIIe puis XVIIIe siècle, avec cette cheminée extrêmement impressionnante. Et puis surtout, au-dessus de nous, au plafond, ce vaste ensemble peint qui représente un ensemble de scènes mythologiques. On a dans le médaillon central les dieux de l'Olympe, avec Zeus qui est couronné, qui accueille trois personnages qui sont vêtus différemment, à la mode du XVIIe, Anne d'Autriche, et puis derrière, avec un vêtement rouge, Louis XIV, le rouge c'est la couleur du pouvoir, et sa femme Marie-Thérèse d'Autriche à ses côtés. En cette fin du XVIIe siècle, les protestants vont être contraints de renier leur foi et de se convertir au catholicisme. Alors, soit cette famille s'est convertie au catholicisme, ou alors elle a voulu donner un gage apparent, et peut-être trompeur, de sa bonne volonté, en représentant ici le roi Louis XIV. Ces hôtels particuliers, c'est la plus grande richesse de Montauban. C'est vraiment quelque chose qu'il convient de préserver, puisque la plupart sont souvent un patrimoine insoupçonné, et pourtant d'une très grande richesse. Nous quittons Montauban pour rejoindre plus à l'est Gaillac. Le vignoble s'étend tout autour de cette cité. Cette région viticole est célèbre pour ses pigeonniers. Ils ont marqué l'histoire de ce terroir et sont devenus l'emblème du vignoble. Mais aujourd'hui, ils sont en danger. Donc là, ils sont 10, c'est bon. Est-ce qu'il y en a une qui peut me trouver un bac avec des petits verres et continuer à mettre 10 petits verres ? Deux nappes rondes, oui. Alix et une trentaine de vigneronnes sont à pied d'œuvre. Attends, là, il n'y a pas les chaises qu'il faut. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il en manque 3. Car elle prépare l'événement de l'année. Ah non, mais allez-y, les filles, là, il faut embrayer. Vous avez vu l'heure qu'il est ? C'est charrette, ce matin. On a 160 personnes qui viennent déjeuner et qui vont participer à la vente aux enchères des vins que les vigneronnes ont offerts. Voilà, il y a 600 bouteilles qui vont être vendues cet après-midi. Et le bénéfice de la vente va servir le pigeonnier de la propriété. Alix est viticultrice depuis une vingtaine d'années. Avec d'autres vigneronnes, elle a créé l'association Les Ailes Gaillacoises pour sauver les pigeonniers de la région. Le pigeonnier, il a juste un trou au-dessous de la toiture et donc il y a des infiltrations d'eau qui sont en train de pourrir la structure. Si ça continue, forcément, les poutres vont s'avachir et la toiture va passer à travers. Il y a un peu urgence. Mais le restaurer coûte 40 000 euros. Nous, à la vente aux enchères, on espère cet après-midi faire 10 000 euros. Si on fait 12 000, ben, on sera contente. Après, ça dépend de la générosité des gens, quoi. Depuis 3 ans, Alix sillonne les routes du Gaillacois à la recherche de pigeonniers à rénover. Il n'est pas beau celui-là ? Depuis que je suis toute petite, je m'intéresse au patrimoine, aux vieilles pierres. Et aujourd'hui, les pigeonniers sont complètement abandonnés. J'y suis attachée. Ça fait partie de l'appellation, ça fait partie des paysages. Et je trouverais dommage que ça disparaisse.
les pigeonniers ont joué un rôle majeur dans l'histoire de cette région. Les fientes de pigeons servaient à fertiliser les vignes. Autrefois, une jeune femme, lorsqu'elle se mariait, elle pouvait apporter en dot un pigeonnier. Le pigeonnier, c'était un patrimoine, donc c'était une richesse. Mais lorsqu'elle était plus pauvre, elle pouvait aussi arriver avec des sacs de fientes. Voilà, c'était une sorte de richesse. Quand on a vu ça, on s'est dit qu'aujourd'hui, nous étions des jeunes vignerons à nous investir pour la restauration des pigeonniers, alors que de tout temps, finalement, il y a eu un lien très fort entre les femmes et les pigeonniers. Elle se rend au château Lastour, chez Louis, un ami vigneron. Il possède l'un des plus beaux pigeonniers de la région. C'est le premier qu'Alix et son association ont aidé à financer. Sa restauration vient juste d'être achevée. Tiens, regarde Alix. Ah ben superbe, il est magnifique. Ouais, maintenant oui. Nickel, ouais. Là, il était en très mauvais état, prêt à s'effondrer, surtout la toiture. Et tout le toit et la maçonnerie ont été entièrement refaites. Là, je crois que ça lui a fait du bien. Ouais. C'est un grand lifting. Le domaine est familial depuis plusieurs siècles. Et je suis né ici, et depuis que je suis petit, j'entends dire « il faut restaurer le pigeonnier, il faut restaurer le pigeonnier ». Ben là, on y est. Pour Louis, cette rénovation n'était pas une priorité, car le montant des travaux s'élevait à 80 000 euros. L'association l'a bien aidé. Ça t'avait mis un peu le pied à l'étrier, quoi. Ça t'avait un peu boosté et puis dire bon, maintenant il faut vraiment qu'il refasse son pigeonnier. C'est pas la plus jolie échelle que j'ai trouvée. Ah, mais il va falloir quand même que tu trouves une belle échelle en bois. Oui. Vas-y, j'attends que tu sois en haut. Regarde. Ah ouais, super. Moi, je trouve ça assez lumineux et du coup, on voit beaucoup mieux les nichoirs, je trouve. Ici, il y en a 650, donc c'est quand même un des plus grands en termes de capacité d'accueil, si on peut dire. C'était le HLM des pigeons. Et aujourd'hui, c'est beau de les voir encore là. Ouais. Retour à la vente aux enchères, qui débute dans une heure. Chaque vigneronne fait déguster ses meilleurs crus. Au col Syrah, 2015, que j'ai fait avec mon mari. C'est un vin fruité, gourmand, qu'on peut boire autant sur une viande qu'à l'apéritif. Ah, il est bien. Il est très bien. Je propose à la vente deux bouteilles de 3 litres. Il n'y a que ces deux bouteilles, j'en ai pas fait d'autres, quoi. Donc, bon, ça a créé la rareté du produit et peut-être l'envie, quoi. Je sais pas, on verra. Après, entre filles, on est quand même, même si on est toutes collègues et amies, c'est vrai que celle qui détient la meilleure enchère, bon, elle est contente, quoi. C'est chouette, quoi. 50 euros nous sommes, 60 monsieur. À 60 euros ici devant, à vous l'enchère bien vue. Bravo monsieur, 60, par vous 60 euros. Ah, le lot 27, j'adore ce nom. Alors c'est élégante rive droite du Gaillacois. Allez, dépêchons, c'est pris, 50. 70, je vous reconnais, vous connaissez le bon vin. Les vigneronnes ont 3 heures pour vendre toutes leurs bouteilles au profit du pigeonnier. 80, nous sommes à 80. Il est bon, dit-elle. 80, nous sommes. Et elles suivent les comptes de près. C'est vu à 80. C'est un peu timide. Je pense qu'on va rester sur quelque chose assez constant comme on a en ce moment. 90 en bleu, 100. 100, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on fait à 100 euros? 110, derrière vous. Les enchères sont un peu élevées encore, mais on va attendre la fin. On va avoir plus de chance à la fin. Il ne faut pas qu'il y ait un lot, par exemple, qui ne se vende pas. Parce que là, du coup, la pression rebaisse et les gens s'habituent à ce que ça ne se vende pas. Donc, il faut que tout se vende. Allez, 120 euros ici, les 6 bouteilles, et c'est pris 120, 130. 130 au bout de 2 heures, les prix s'envolent. 150 euros. Ah, du 150. Pour du vin que j'aime, je pourrais aller jusqu'à 200 euros. On a dépassé les 8000 euros. Donc c'est bien, ça devrait le faire. L'année dernière, le maximum qu'on ait fait, c'était 250 euros sur un carton. Après, moi, je passe en dernier, donc je verrai si je bats les records ou pas, quoi. Voilà, donc oui, j'espère. Je n'en ai fait que deux. C'est-à-dire, j'ai mis en bouteille des 75 et j'ai fait deux bouteilles de 3 litres exprès pour cette vente. Et on démarre les enchères. Allez, comme ça, hein. On démarre à 80. 80 euros, c'est pris. 90, 100, 10, 120. 120, nous sommes à 120 euros. 160, 160, nous sommes. 170. Pour la bouteille de 3 litres, 170 euros, c'est vu. Alix n'a pas battu son record. Adjugé 170.
mais il lui reste encore une chance. Et maintenant, la dernière, l'ultime bouteille de 3 litres qu'Alix a réalisée. On va essayer, j'aimerais bien le dernier lot, les grandes bouteilles, 3 litres. Voilà. Je vais essayer. Là, il faut qu'on dépasse les 200 euros quand même. Hein. Et on démarre à 150 pour l'ultime. Allez, 150 euros ici pour la bouteille de 3 litres, la dernière. 150, 160, 180, 180 nous sommes. 200, que vous la juge à 200 euros. Et on vous remercie chaleureusement. Ben, je suis ravie, moi, 11 240 euros, ça fait 1000 et quelques euros de plus que l'année dernière, donc c'est super, quoi, là, pour les personnes qu'on va aider, c'est, je sais pas, je crois que ça fait un quart de leur budget, donc c'est génial, quoi. C'est super. L'association d'Alix cherche à donner un nouveau souffle au vin de Gaillac à travers d'autres initiatives. Elles veulent créer une route des châteaux viticoles pour faire connaître le vignoble, car il recèle des trésors d'architecture. On arrive au château de Sors. C'est un des plus beaux domaines viticoles du Gaillacois. Ce château a été construit au 19e siècle sur le modèle d'une villa italienne, avec un très très joli fronton à colonnes. À l'époque de sa construction, cette villa palladienne fait des envieux parmi les autres vignerons. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'un peu plus loin, un château a été construit quelques années plus tard et que le propriétaire a voulu copier le fronton. Donc c'était une concurrence entre propriétaires viticoles et c'était à celui qui allait faire le plus beau château. Alix poursuit sa route en direction d'un autre joyau du patrimoine gaillacois. On arrive au château de Mérague, qui est un château médiéval et qui possède un très joli pigeonnier du XVIe siècle. Sa particularité est qu'il est sur colonnes et qu'en haut des colonnes, on trouve des pierres taillées en forme de chapeau qu'on appelle les capelles. Ces capelles servaient à empêcher les rongeurs de monter dans le pigeonnier, manger les pigeonneaux. Et il est dans un état extraordinaire. Elle a rendez-vous avec Laurence, la propriétaire, qui est aussi vigneronne. Ce qui est vraiment exceptionnel dans cette maison, c'est le chemin de ronde, qui fait le tour complet de la maison. C'est vraiment une galerie défensive. Et c'était dans cet état ? C'était dans un état catastrophique. La tour était détachée du bâtiment principal. La galerie était complètement en ruine. C'était ouvert du rez-de-chaussée jusqu'au ciel. Ça fait 35 ans qu'on fait des travaux. Je trouve ça incroyable. Donc, quitter une vie plutôt confortable à Paris pour venir restaurer des pierres en plein midi toulousain, quoi. À l'intérieur, Laurence veut lui montrer la perle du château. Ah oui, oh là, quand même. Oh, c'est majestueux. Oui, cette cheminée est tout à fait étonnante. Bah, disons, on ne s'attendait pas à avoir une cheminée comme ça avec l'austérité extérieure du château. Au XVIIe siècle, le seigneur du lieu commande cette cheminée à l'occasion d'un mariage. C'était sans doute pour impressionner la belle famille et le décor était toujours en relation avec l'amour ou la vertu. C'est un trésor caché en plus parce que, je veux dire, c'est leur chambre, donc elle me fait un joli cadeau de m'amener là et de me montrer cette pépite en plein cœur Gaillac, quoi. Sur la route, Alix rend visite à deux frères vignerons qui ont eu une idée très originale. Laurent et Fabien Cossé renouent avec une technique viticole héritée de l'Antiquité. Merci. L'utilisation d'amphores pour élever le vin. C'est vraiment le fruit rouge, le fruit frais. On a vraiment l'impression de croquer le grain de raisin. Ouais. Mûr.
ce vin a vieilli 2 ans en barrique et 10 mois en amphore. Autant la barrique va amener un goût de bois, mais l'amphore va amener simplement une micro-oxydation due à la porosité de la terre. Donc on est vraiment sur quelque chose de très neutre. Mais par contre, on a cette remontée de fruits qui est vraiment impressionnante. Ça donne des résultats très intéressants. Et le cépage, là, c'est quoi ? Cépage brocol. D'accord. C'est un cépage local. Qui, d'habitude, est quand même un cépage un peu rustique. Et là, ça lui donne une finesse et une élégance vraiment incomparables. Alors c'est un clin d'œil à l'histoire parce que les Romains, ils ont développé tout le matériel de transport, c'est-à-dire les amphores, et c'est ce qui a permis l'essor du, enfin, le premier essor du vignoble Gaillac, quoi. Ah, c'est un pari un peu fou parce que c'est vrai que partir au départ, mettre du vin à l'amphore, tout le monde voulait goûter ça et donc nous, on ne savait pas trop où on allait. Et donc du coup, par la suite, il se trouve que le produit a été très intéressant et donc il fonctionne. Donc voilà. Ça fait rêver aussi les gens quand tu les amènes là dans le chai qui voient toutes ces amphores. Mais disons que c'est pas commun, quoi. Dernière initiative d'Alix et de son association, une dégustation sur le Tarn, à bord d'une gabarre, comme autrefois. Ici, il faudrait imaginer énormément de gabarres qui transportaient les tonneaux de vin jusqu'à Bordeaux. Ça passait toujours par le Tarn et par la Garonne. Là, on transporte des touristes. Et puis, ça leur permet aussi de passer un moment de convivialité, de découvrir aussi les vins de Gaillac de façon peut-être un peu plus ludique et moins formelle que dans un domaine et dans un caveau de dégustation. Et le perlé, c'est un petit peu pétillant sur la langue. D'accord. Voilà, vous direz ce que vous en pensez. Il est comme le paysage, il est très bon. C'est un moment exceptionnel. Moi, j'adore. Profite du paysage, plein d'oiseaux. Et voilà, côté tranquille, une fin d'après-midi en buvant un coup, c'est sympa. Je vous sers un peu de rosé. Amandine, une autre vigneronne, participe à cette animation. On fait des métiers où on est très seul quand même, hein, souvent dans nos vignes, dans nos caves. Et là, bah, ça nous permet d'échanger, soit de parler d'autre chose, soit de parler de vin, de se conseiller, de s'aider. C'est vraiment aussi un réseau d'entraide pour nous. C'est du perlé, s'il y en a qui en veulent. Ça fait du bien parfois de voir bah, ce que l'une a fait, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a raté, et de le partager, parce que ça fait avancer tout le monde. Notre groupe, c'est notre force.